mon amour. Ça fait plus d'un an qu'on est ensemble. Tu sais que je t'aime de tout mon être. Je vis que pour toi. Depuis qu'on est ensemble, mon but c'est de te rendre. Je vois ton cœur empadé sur un écran pas. J'ai bien changé, aujourd'hui je ferai tout pour toi. Je vois plus les heures s'écouler quand t'es dans mes bras. Ah, toi tu viens manger, hein? Tu viens dire bonjour, hein? Oui. Bonjour. Bah oui, bonjour toi. Je crois que le prénom que j'ai préféré, c'est Mimo. Je crois que la tortue de mon jardin, je vais l'appeler Mila. Ma petite Mimo. Ma petite Mimo, viens voir. T'as des grosses fesses aussi grosses que Mimo. Mimo, allez, suis-moi. Ah bah suis-moi. Ah bah tu te reconnais, ma petite Mila. J'ai fait une vidéo où je me défendais un peu de ce qu'il disait sur le plateau de Sam Ziral, avait été supprimé par sa boîte de prod, et moi je suis quelqu'un de juste. Sam, il a fait en sorte que la vidéo soit remise sur ma chaîne YouTube, donc là ça y est, elle viendrait apparaître. Donc déjà, bah, je tenais à le remercier parce qu'il faut être juste, il me laisse le droit à la parole et je trouve ça très correct de sa part. Donc voilà, ma vidéo est de nouveau disponible ici sur ce lien. Je crois qu'on s'est tous posé cette question un jour ou l'autre. Comment choisir un lit? Il y en a des ressorts, des hybrides, des durs, des mous. Moi, je galère, je vous dis la vérité. Faut voir que j'ai essayé tous les lits du magasin et je suis tombé amoureux de celui-là. Donc, en fait, je vais vous montrer. Celui-là, il est... Alors, c'est comment déjà? Le matelas Stella. C'est le matelas Stella. Et en fait, c'est un matelas hybride, si tout j'ai bien fait. Retenu ma leçon. Tout à fait. J'ai choisi un intermédiaire, c'est-à-dire que c'est ni trop mou, ni trop ferme. Parce que, bah, en fait, j'aime bien quand c'est un peu ferme, mais j'aime pas trop quand c'est trop, sinon, après, tu peux avoir des accidents, tu vois. J'ai choisi celui-là, donc franchement, faut voir hein, les nuits que je vais passer à l'intérieur. Et avec un joli sommier, super simple. Bon, le mien va être un tout petit peu plus clair. C'est qu'en fait, bah, tu peux choisir tout ce que tu veux pour ton sommier. T'as 60 couleurs différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, c'est des matelas qui sont un peu plus chers que ceux que tu trouves sur Internet, etc. Mais écoutez-moi bien, parce que j'y réfléchis, je pense intelligemment. Vaut mieux payer un matelas un tout petit peu plus cher, mais que tu vas garder 20 ans qui ne va pas bouger, plutôt qu'un matelas, tu vas le payer pas cher, et au final, bah, dans 2 ans, tu dois le changer parce qu'il est affaissé. Et j'ai eu la chance d'être reçue ici par Margot. Je vous la présente. Elle m'a tout conseillé. Elle m'a tout expliqué de A à Z. Maintenant, je pourrais carrément vous expliquer de A à Z comment on fait pour choisir un lit. J'ai trouvé ce magasin à Puget-sur-Argent. C'est du style à 30 minutes de là où j'habite. Et écoutez-moi bien, ça s'appelle Naturlat Literie. Il faut savoir que c'est le fabricant directement. Donc, tu ne le payes forcément moins cher. Ils ont aussi un autre magasin à Villeneuve-Loubet, c'est dans le 06. Un à Lyon et un à Chalamont, pour ceux qui connaissent, c'est là où j'habitais quand j'étais gamin. Je suis trop content parce que je vais pouvoir enfin passer de bonnes nuits. Mais bon, Margot, je t'ai fait quelques stories, je pourrais peut-être avoir peut-être une petite réduction, non? Non, parce que là, quand même, faut savoir. Non, parce que j'ai vraiment craqué pour ce lit, je vous dis. Franchement, je vous partage ça parce que je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, on me demande « Mais tu l'as pris où, lit ? Tu l'as pris où ?» Bah là, je vous ai tout expliqué de A à Z. Et là, je l'ai fait bien parce que c'est vrai que j'ai quand même bien sympathisé avec les personnes qui travaillent ici. Donc du coup, voilà. Comme ça, bah, vous savez où je prends mon lit. Et si vous voulez la même chose, bah, vous avez juste l'Instagram qui est là et vous pouvez vous rendre dessus. Il y a toutes les adresses, il y a tout. Et franchement, ils sont vraiment top. Aussi parce que c'est quand même la classe de dormir sur un lit naturel. On se fait mousser un petit peu.